Bien, salut tout le monde, c'est le Geek 29. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Enfin du moins je pense pas avoir déjà fait sur ce jeu là de vidéo. Donc il s'agit de Spin Tires. Spin Tires, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un jeu de simulation de camion tout terrain. En gros le but c'est vous avez des camions différents types de camions et vous devez livrer du bois en passant par différents chemins. Donc il y a les routes, il y a les chemins de terre, il y a de la boue, etc. Si vous jamais vous vous penchez trop, vous pouvez retourner votre camion et du coup perdre le chargement. Vous avez toutes sortes de difficultés à passer. Donc on va tout de suite faire une petite partie. Alors, regardons bien. On a fait la map. Alors on a différentes maps. Hein. Bon, c'est pas la, je pense pas que ce soit la dernière version du jeu que j'ai, parce que ça fait un moment que je l'ai celui-là, mais j'ai pas, je l'avais eu gratuitement celui-là. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Celle-là, elle est pas mal parce que celle-là, elle est un peu compliquée. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme rivière au milieu. Et je crois que le bois est dans cette zone là, il faut la livrer dans cette zone là, donc il faudra traverser la rivière obligatoirement. Donc ça va être assez compliqué, donc on va pouvoir le faire je pense. On va démarrer la partie. Bon, mais avant de livrer du bois, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais récupérer mon téléphone pour lancer le chrono parce que je ne l'ai pas lancé. Pardon, excusez-moi. Ça m'a fait sursauter ce truc là. Attendez deux secondes. Hop. On va prendre le chronomètre. Voilà, c'est parti. Donc, alors là, on a de base, on a deux véhicules. Alors, on a un premier camion ici qui, honnêtement, c'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde ce camion. Parce qu'il est pas puissant du tout. Hein. Il a que les roues arrière de motrice. Il n'y a pas les roues sous trou de motrice. Donc, il est un peu pourri. Mais on a aussi un petit 4x4 à côté, donc on va prendre le 4x4 pour l'instant. Parce que le 4x4 il a les 4 roues motrices. Et il y a les 4 roues motrices dessus, donc on va... Voilà. Donc on démarre le moteur, voilà, hop. Et donc lui il a les 4 roues motrices et le de blocage de différentiel. Alors, pour ceux qui n'y connaissent pas mécanique, ce que je suis en train de vous dire, ça doit être du charabia. Sachez que dans les véhicules de tous les jours, dans vos voitures de tous les jours, pour pouvoir vous déplacer, il vous faut évidemment faut que les roues soient entraînées par le moteur. Sur les voitures traditionnelles, les voitures de tous les jours, ce sont les roues avant qui sont reliées au moteur et qui permettent au véhicule de se déplacer. Sur les 4x4, il y a les 4 roues qui peuvent être entraînées par le moteur. Les 4 roues peuvent être entraînées par le moteur. Et là, je viens de m'enliser. Hop. Alors, attendez. Hop. Je sais pas si je peux me dégager. Alors, attendez. Évidemment, j'ai aucun point d'accroche. Pareil. J'ai aucun point d'accroche. Merde, bah, je suis obligé de... Bah là, ça commence bien déjà, je suis obligé de réinitialiser le 4x4. Alors je dois réinitialiser 2 secondes, voilà. Donc comme je disais, vous avez dans les voitures de tous les jours, donc en fait c'est les roues avant qui sont motrices. C'est celles qui c'est les roues avant qui permettent au véhicule d'avancer. Sur les 4x4, il y a la possibilité de... Enfin 4x4 pour 4 roues motrices. Donc on n'est pas obligé sur certains modèles on n'est pas obligé d'avoir les 4 roues motrices en permanence. Parfois on peut désactiver un essieu, enfin un lot de roues pour qu'on ait plus que 2 roues motrices. Parce que quand on a 4 roues motrices ça consomme beaucoup plus, vu que le moteur doit forcer plus pour pouvoir entraîner les roues, donc il consomme plus. Et donc voilà. Alors les 4 roues motrices, pour les véhicules tout terrain, c'est extrêmement pratique,
puisqu'en fait je me suis dit qu'en fait le comment ça permet à votre voiture, imaginons que vous êtes sur du terrain et puis d'un coup vos roues avant pour les voitures normales se trouvent être dans le vide, ben vous pourrez plus avancer puisque vous n'avez plus de, vu que c'est comme c'est vos roues avant qui sont motrices, vous n'allez plus pouvoir avancer. Et ben en fait grâce aux 4x4, vu qu'ils ont les 4 roues motrices, ils peuvent, dans ce genre de situation là, ils vont se servir justement des roues arrière pour pouvoir se déplacer et reculer par exemple. Et je me suis encore enlisé, vous voyez c'est vachement compliqué hein, le jeu est assez réaliste. Et voilà. Alors là ce que je vais faire c'est que allez, je me suis enlisé. Donc ce que je vais utiliser c'est un treuil. En fait mon véhicule est équipé d'un treuil. Hop, que je prends ici et que je vais prendre sur un arbre ou un truc comme ça. Et là après quand j'appuie sur F, voilà, ça dégage mon véhicule. Ça peut dégager un peu mon véhicule et lui permettre d'avancer, de se dégager du passage. Et il est également possible de tracter un autre véhicule avec le treuil. Hein, voilà. Et je m'enlise encore plus, c'est quoi ce bordel? Voilà, hop. Essayer de passer par là, ça sera peut-être plus évident. Alors. Et donc voilà. Et donc du coup les 4x4 c'est beaucoup plus pratique parce que du coup comme les 4 roues sont motrices, ils peuvent ils sont beaucoup plus mobiles, on va dire qu'ils sont, ils peuvent aller sur beaucoup plus de terrains différents. Ensuite, j'ai parlé aussi tout à l'heure du blocage du différentiel. Alors déjà qu'est-ce qu'un différentiel? Un différentiel permet à votre véhicule par exemple dans un, imaginez vous êtes dans un virage. Et ben dites-vous que dans un virage les roues qui sont à l'extérieur du virage devront aller plus vite que les roues qui sont à l'intérieur du virage. Alors imaginez que vos roues soient les deux reliées entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, justement, qu'il y a pas de différentiel, qu'il y a un axe qui relie les deux en même temps. Et ben et ben ça veut dire que dans un virage vous aurez beaucoup plus de mal à tourner déjà. Et en plus de ça, vous risquez de plus avoir d'adhérence vu que vos pneus vont patiner. Donc c'est pour ça, et donc ça pourrait être très dangereux. Donc le différentiel il sert justement à ça, il sert en fait à répartir la puissance du moteur entre les roues afin de donner plus de vitesse à la roue qui a besoin de parcourir plus de distance en fait. C'est à ça qui sert en fait le différentiel. Et le truc c'est que du coup dans certaines situations, bon ben après ça peut être, ça c'est vachement pratique pour garder le contrôle du véhicule. Seulement il est possible que parfois dans les 4x4, quand tu fais du tout terrain, il est possible de faire ce qu'on appelle un croisement de pont. Enfin de faire un croisement de pont ou ou en gros. Oups. Waouh putain. Est-ce que je peux redémarrer? Ouais je peux redémarrer. En clair en fait ça veut dire que vous allez avoir sur votre essieu en gros la partie qui relie les deux roues de part et d'autre du véhicule entre elles, vous allez avoir par exemple une roue dans le vide et l'autre sur terre. Et bah le différentiel ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va envoyer toute l'énergie à la roue qui est dans le vide. Et donc du coup vous n'allez pas pouvoir vous dégager. C'est-à-dire que la roue dans le vide va tourner à pleine vitesse. Mais la roue qui est collée au sol, elle va pas tourner du tout. Parce que c'est comme si en fait la roue dans le vide avait plus de chemin à parcourir que la roue qui est sur le sol. Et ça, la seule façon de régler ça, c'est de bloquer le différentiel. En clair, ça veut dire bloquer le mécanisme qui permet justement de rendre indépendantes les roues et pour qu'elles soient toutes les deux
comme c'était sur un seul et même axe, pour pouvoir envoyer la puissance aux deux roues, la même puissance, et pouvoir ainsi se dégager. Donc du coup, on bloque, c'est comme ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque le différentiel. Et donc pour bloquer, et donc voilà. Mais le truc là, c'est que, donc du coup, les 4x4 sont généralement équipés de ces deux systèmes là, les 4 roues motrices, ainsi que, comment, les blocages différentiels, afin de pouvoir se dégager de la plupart des problèmes sur le chemin de terre ou autres difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Et mais cependant, mettre les 4 roues motrices ou mettre le blocage différentiel va évidemment entraîner une surconsommation, vu que le moteur devra forcer beaucoup plus pour pouvoir actionner les roues. Donc c'est pour ça, qu'il vaut mieux pas les actionner en permanence si vous voulez pas trop consommer. Donc voilà. Et donc du coup, ce véhicule là, comme je disais au début, lui il est équipé des deux, du blocage différentiel ainsi que des 4 roues motrices, que j'ai activé dès le début de la partie. Vous avez pu voir à gauche, sur la petite interface en bas à gauche, où il y a marqué blocage diff, toute roue, les deux sont sur on, justement c'est le blocage différentiel et les 4 roues motrices. Donc c'est pour ça. C'est afin de pouvoir me déplacer plus aisément dans la bouillasse qu'il y a partout par terre. Parce que du coup, en faisant ça, en fait, comme les 4 roues sont entraînées et qu'en plus elles sont solidaires les unes les autres, et ben en fait il y a, du moment qu'il y a une roue qui adhère, le véhicule avance. Tant qu'il y a deux roues qui adhèrent, il y a un véhicule qui avance. Peu importe laquelle c'est. Donc voilà. Du coup là je voilà. Donc là pour contre, vous pouvez voir aussi sur la gauche, donc la petite face à gauche, qui a marqué déjà les vitesses, donc c'est la vitesse engagée, et voilà, alors là. Là justement je vais en parler. Comme vous savez qu'il y a la vitesse engagée et frein de stationnement, treuil off, etc. Et vous voyez sur la droite carburant et dégâts. Alors là vous voyez que dégâts j'ai 300 sur 300. Et parce qu'en fait à force de recevoir des chocs, votre véhicule s'endommage. C'est pour ça que j'ai rajouté ce petit truc là au dessus avant de partir. C'est un kit de réparation qui permet de réparer 200 points de dommage afin de pouvoir redémarrer et repartir. Donc voilà, hop, et on peut y retourner maintenant. Donc là maintenant j'ai 100 points de dégâts, et maintenant si jamais je subis encore trop de dégâts, bah je vais plus pouvoir avancer, il faudra que je réinitialise le véhicule pour l'avoir réparé. Et vous avez pu constater aussi que en fait là, ce que je fais, c'est que vous voyez me balader en tout terrain à fond, parce qu'en fait ce que je fais au début, pour pouvoir me faciliter après la circulation dans la map, vous pouvez constater par exemple que regardez, voilà, là la carte la voilà. Alors, attendez. Vous pouvez constater que la carte elle est là, donc et vous voyez qu'il y a des zones noires dans la carte. Et pourquoi j'ai voilà. Vous pouvez constater que voilà, vous voyez, il y a des points noirs marqués inconnus sur la carte. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais à l'emplacement du mot inconnu. Et vous avez vu tout à l'heure, il y avait une espèce de tourbillon, une espèce de tornade. Et quand je m'en suis rapproché, elle a disparu et ça m'a révélé un morceau de la carte, justement. Et donc du coup, ce que je fais là, c'est que on va commencer justement par aller dévoiler toute la carte pour pouvoir ensuite aller pouvoir bien avancer dans la partie sans trop de difficultés. Ah mince, j'ai utilisé le frein de stationnement. Voilà. Tac. Et donc on va commencer par ça. Donc comme ça vous voyez aussi que les décors sont, le paysage est quand même assez bien fait. C'est superbe réaliste. On s'y croirait, la physique est vachement bien faite. Comme vous avez pu constater au début, j'ai galéré parce que mon véhicule s'était enlisé.
même avec le blocage différentiel et les toutes les roues motrices, j'avais plus d'adhérence, donc du coup mon véhicule ne pouvait plus avancer, j'étais obligé de le réinitialiser. Ou alors de venir avec un autre véhicule pour le dépanner. Seulement l'autre véhicule que j'ai de dispo pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule de merde. Donc voilà. Alors, voici un léger, on va dire, problème. Il s'agit d'ici d'une rivière. Sachez que quand vous passez dans l'eau, ça endommage votre véhicule. Comme vous voyez que j'ai déjà pas mal de dégâts, il va falloir que je me dépêche si je veux atteindre la tornade, l'espèce de tornade qui est là, qui permettra de dévorer cette partie de la map. Ici, il me semble que le fond de la rivière n'est pas très grand, mais juste après, il y a encore un petit trou, je crois qu'il est beaucoup plus grand. Et là, en plus, il y a du courant, donc faut faire attention. Donc on y va. On va y aller on va y aller en mode bourrin. Et vous voyez, il y avait l'eau endommage le camion. Ça c'est parce que, et vous voyez la barre de dégâts qui augmente drastiquement, putain. J'ai eu chaud. Voilà. Donc je suis arrivé ici, là vous voyez, donc la rivière est beaucoup plus large et elle est également beaucoup plus profonde. Sachant que je suis déjà pas mal endommagé, je ne pense pas pouvoir la passer. Je vais essayer, mais je ne pense pas pouvoir passer. On va quand même essayer. Donc là vous voyez, hop, je suis arrivé ici et j'ai dévoilé la petite serre qui était là de la map. Donc là on va essayer de passer, et puis si on passe pas, bah, on va repartir de là-bas et puis on va en profiter pour dévoiler les deux objectifs inconnus ici. Alors on y va. C'est parti. Regardez la barre de dégâts, elle augmente drastiquement. Je vais... Putain la vache. Oh yes, j'ai trouvé un passage... Ah, je dirais que j'ai trouvé un passage pas trop mal. Putain la vache, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un passage pas trop haut, on a eu de la chance. Donc on est arrivé de l'autre côté, par contre vous avez vu que vous devez entendre aussi au bruit du moteur que les dégâts sont plutôt importants. Donc on va essayer de faire attention et on va essayer de voir si on peut pas trouver un autre véhicule, parce qu'il est possible de trouver d'autres véhicules que ceux qu'on a de base. Il faut juste aller vers eux et faire comme avec les espèces de petites tornades noires qu'on avait tout de suite. Ça va rapprocher d'eux pour les débloquer. Donc on va essayer tout de suite, après on va essayer de voir. Donc, vous entendez au bruit du moteur, là je suis vraiment bien endommagé. Hop, je mets un petit point ici pour savoir où est à peu près la tornade. On va essayer de la localiser. Hop. Alors là il y a du carburant, on peut prendre du carburant là. Ok. Seulement le carburant, j'ai ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, c'est un véhicule de réparation. Et aussi en fait, le fait de dévoiler la carte permettra aussi de découvrir les véhicules cachés justement. Parce que si on dévoile une zone dans laquelle il y a un véhicule caché à débloquer, il va nous être indiqué. Bien sûr, pour pouvoir l'utiliser, il faudra aller le chercher, le débloquer. Donc là je vais y aller tout doucement parce que comme vous savez, vous pouvez le voir, donc la barre de dégâts est vachement avancée déjà. Et là comme je passe en tout terrain, faut que j'y aille tout doucement, surtout que là je suis en train de passer, je vais passer sur un pont qui va pas être très stable, je crois. Si encore qu'il est plutôt stable. Allez, là on voit la tornade, c'est nickel. On voit la petite tornade, parfait. Allez, comme ça vous voyez, en fait pour ceux qui se demandent comment je fais pour les trouver les tornades aussi facilement, en fait ce qu'il faut faire c'est sur la map vous mettez le point à l'endroit où il y a marqué où il y a le mot inconnu, et généralement c'est dans cette zone là qu'est la petite tornade. Alors est-ce que par ça ici j'aurais un véhicule dans le coin? Non, j'ai rien, j'ai que dalle, j'ai pas de véhicule. Bon, on va essayer d'aller là. Alors, hop. On tourne. Ah oui, aussi, je tiens à vous signaler aussi, du coup, je retourne du test sur l'explication que j'avais tout à l'heure avec le différentiel. Quand vous bloquez le différentiel, évidemment, vous avez beaucoup plus de mal à tourner, vu que les roues, ne font plus qu'un, faut dire, ou plus qu'une, et ben, elles ne peuvent pas tourner à des vitesses différentes, donc en gros, vous avez plus de mal à tourner. Voilà.
Là honnêtement je suis en mode précaution à donf. Comme vous pouvez le constater, les dégâts sont extrêmement avancés. Là je suis sur un terrain extrêmement cabossé. Je crois qu'il va y avoir un véhicule dans le coin. J'espère qu'il va y avoir un véhicule, parce que là j'en aurais fortement grandement besoin de notre véhicule. Et on voit la tornade là-bas. Ça c'est nickel, on voit la tornade. On aperçoit le petit rond noir de la tornade. Ok. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je crois qu'il y a un véhicule par là en plus. Je suis pas très sûr. Et sachez également qu'on ne peut pas sortir de son véhicule. Hein. On reste dedans quoi qu'il arrive. Bon, pour pouvoir changer de véhicule, il faut se retrouver à proximité d'un autre ou alors passer par la map. Ah non, il n'y a même pas de véhicule dans le coin, putain la vache. Parce que j'aurais grandement besoin d'un véhicule là. Histoire de... réparer. De réparer, enfin de changer, de quelqu'un pour reprendre un autre mieux. Et là j'ai toujours aucun véhicule de dévoiler, fait chier. On va aller sur celui-là. On va essayer de rester sur la route. Ce coup-ci. J'enlève les blocages différentiels et le 4 roues motrices. Comme ça, vu que là je suis sur la route. Ouais mais ouais non, j'ai rien dit, je vais devoir les remettre. Je vais devoir les remettre parce que j'ai pas la route pas dans la bonne direction. Ouais, je la remets. Et vous voyez que mon véhicule fait des flammes également, il est vraiment en très mauvais état là. Il est vraiment très endommagé. Vous voyez, il a des dégâts, je suis à 273 sur 300, donc là je suis vraiment dans la mouise. Hop. Donc, on va essayer d'atteindre le dernier la dernière tornade en un seul morceau, puis je vais vous laisser là. Oh putain, passer dans la forêt comme ça va pas être évident. Alors comme vous pouvez le constater aussi, je jongle beaucoup avec la caméra parce qu'elle est pourrie. Par contre ça, le gros défaut c'est qu'on n'a pas de vue, il n'y a pas de vue intérieure, du moins dans la version que j'ai. Et la caméra est complètement merdique au possible, vous pouvez pas savoir à quel point c'est galère à la contrôler. C'est galère de voir ce qu'on fait, ce qu'on fait, où on va. Donc c'est vraiment la merde, la caméra est vraiment pourrie par contre. C'est un peu le principal défaut de ce jeu. C'est la caméra. Vous avez, pour ceux qui auront déjà joué à ce jeu, pour vous confirmer dans les commentaires je pense, mais la caméra est pourrie, elle est à chier honnêtement. Là faut faire quelque chose parce que là elle est vraiment pourrie. Putain, je suis à 286, je crois que je dois pas être très loin de la machine, enfin, de moi j'espère. Et là putain, il y a des cailloux, je vais en prendre plein la gueule. Vous voyez que je suis vraiment très prudent pour éviter le plus de dégâts possible. Vu que mon véhicule est vraiment là en fin de vie. Hein, il a presque arrêté plus. Ah, on voit la tornade. Putain, on la voit. On va faire le tour. Par contre, ce qui aurait été pas mal, peut-être, c'était de rajouter des dégâts de carrosserie. Après, je sais pas si ça s'était rajouté dans des mises à jour récentes du jeu. Parce que moi, ça fait un moment que j'ai cette version-là. Mais ça aurait pu être sympa. Oh putain, comment j'ai réussi à passer là moi. Ah bah si, un petit chemin là en fait. Je suis sur le bon chemin. Là honnêtement je passe par le chemin pour pouvoir atteindre la tornade, mais Oh là là là. Et il y a de la flotte. Putain, il y a de la flotte. Il y a pas mal de flotte quoi. Sérieux. Non là je crois que je vais mourir là. Honnêtement je crois que je vais mourir. À moins que... de passer par là. Est-ce que ça va passer? Pas de dégâts, par pitié, pas de dégâts. Oh merde. On va courir, on va prendre des dégâts là.
tout en l'eau et merde. Ouais, on est mort. On est mort. Bon, et ben on est cuit là. Honnêtement, on a été touché au but, on va dire. Je crois que j'aurais dû tourner avant, mais on verra bien. Donc bah, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo là, puis je vous retrouverai dans le prochain épisode où on continuera peut-être de dévoiler la map, mais peut-être qu'on va essayer de trouver un autre véhicule parce que celui-là, ouais, il tient pas vraiment la route. Enfin, il est déjà nettement mieux que le camion qu'on a de base, donc on verra bien. On verra bien si on trouve un autre véhicule, un autre camion un peu plus performant. On verra bien. Donc moi je vais vous dire salut à tous, c'était le Geek du 9 pour vous servir.